Je suis Brigitte Piéfer, à la fois professeure d'espagnol et auteure de romans historiques, à la fois donc normande, donc je suis née en Normandie, c'est donc mes racines, et puis j'exploite donc ma passion, l'espagnol, que je pratique tous les jours dans mon métier et que je lis à mon écriture. Alors mon dernier roman, eh bien, le point de départ de l'écriture, en fait, c'est un objet du trésor de la cathédrale de Bayeux, un très joli coffre en plaques, constitué de plaques d'ivoire qui vient d'Espagne, qui est daté du XIIe siècle. On ne sait pas comment il est arrivé dans le trésor de la cathédrale de Bayeux. Je lui ai évidemment inventé une histoire, une jeune fille en fuite à ce coffret, et donc elle fuit l'Espagne et arrive à Bayeux. C'est la quatrième fois que j'ai le plaisir d'être invitée au Médiéval de Bayeux. Et évidemment, cette fois-ci, je tenais beaucoup à y être, puisque le trésor de la cathédrale est mis en avant. La cathédrale, elle aussi, avec son architecture, et aussi les alentours, avec le château de Creully, qui n'est pas très loin. Le prieuré de Saint-Vigor-le-Grand, également à proximité. Donc, évidemment, je suis ravie d'être invitée de nouveau au Médiéval de Bayeux. Alors, deux autres livres sont écrits en recherche d'éditeurs et je démarre l'écriture d'un septième qui portera sur la période 1492 et 1633 très exactement. Et ensuite, je reviendrai forcément au Moyen-Âge parce que quand je vois les campements, les costumes, ça me donne vraiment envie de retourner dans cette période.